Bonjour à tous, c'est Michel. Nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur Call of Duty Black Ops 2 et encore une vidéo assez courte. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je suis en examen, donc j'ai pas vraiment beaucoup l'occasion de jouer, de vous proposer des longues vidéos. Alors, celle-ci fait 5 minutes 34 secondes et c'était ma première partie en caillou et bâton. Nous étions sur Hijacked, j'étais avec Venox et je vais essayer de me trouver. Donc vraiment c'était ma toute première partie en caillou et bâton. Et vous allez voir que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai vraiment fait un assez beau score, vous verrez. Et c'est un mode qu'en général j'aime bien. Alors on a fait que quelques parties, trois parties. D'ailleurs je me suis bien fait niquer au début. On a fait que trois parties. Mais franchement c'est énorme. C'est énorme tout bonnement. Alors clairement il va falloir un peu d'adaptation, hein. Déjà rien que l'arbalète, elle est pas évidente à utiliser, hein, franchement. J'ai pas encore essayé à utiliser le couteau balistique. Et je l'essayerai vraiment dès que je peux. Enfin, je crois que j'ai fait un tir mais que j'ai raté. Alors voilà, vous voyez que j'étais en train de poursuivre Venox et que je vais pour finir le cuté dans un petit coin. Parce qu'on aime bien comme ça se retrouver dans les coins. Voilà. Tout d'abord. Comme je l'ai déjà dit, c'était mon premier caillou au bâton, donc vous me verrez sans doute faire des grosses erreurs. Comme par exemple là, j'aurais dû directement essayer de cuter. C'était ma première partie au couteau balistique, donc aussi j'avais encore du mal avec la façon dont ça se jouait. Mais franchement, c'est quelque chose que je vais beaucoup jouer le couteau balistique, je pense. L'arbalète, déjà, j'aime bien, ça me fait marrer, c'est kiffant, voilà, ça fait plaisir. Mais alors, le couteau balistique, il est énorme, franchement c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors précisons aussi, voilà, je me suis fait piquer mon kill, j'étais totalement dégoûté. Précisons aussi que étant donné que cette partie est issue du mode studio, parfois vous me verrez tirer largement à côté. Je tiens à préciser que je tire quand même un peu mieux que ça. J'ai déjà regardé cette partie une fois avant, hein, mais je tire quand même un peu mieux que ça, c'est juste que, vous le savez, les connexions ont tendance à être pourries sur Black Ops 2, et sur cette partie-là, c'était assez cata, et sur la suivante, c'était encore pire. Mais je ne vous ferai pas l'affront de vous proposer une partie avec une connexion si mauvaise, parce que c'est même pas agréable, vu qu'on voit les mecs laguer, même sur le mode studio. Alors, plusieurs personnes que je connais, ou que je connais pas spécialement, mais dont je regarde les vidéos, ou qui m'ont donné leur avis sur Black Ops 2, tout simplement, ont reproché à cette map d'être trop petite. Alors je tenais juste à faire la remarque que, enfin personnellement, hein, voilà, c'est nouveau, c'est un avis purement personnel. Alors là j'ai eu du bol parce que normalement on one shot pas quand on tue un mec comme ça. Je tenais à faire la remarque, déjà pour moi cette map n'est pas trop petite. Alors là je tire dans le mur mais c'était parce que je crois qu'il me poursuivait, mais en fait non. Donc cette map pour moi n'est pas trop petite, franchement elle a une taille tout à fait raisonnable, hein. En comparaison à beaucoup d'autres maps, franchement ça va. En fait ce qu'il faut tenir en compte aussi, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas spécialement l'habitude de ça. Cette map a aussi une dimension en sous-sol. Il y a un couloir en sous-sol avec une salle en sous-sol. Peut-être que vous n'y allez pas beaucoup. Moi personnellement j'y passe assez souvent, même si sur cette partie c'est pas vraiment un exemple. Parce que tout simplement... en mode caillou et bâton, le but étant de faire du frag, a priori, on passe fatalement moins par un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est un endroit vraiment où moi je passe beaucoup. D'ailleurs là je retue Venox, on passe beaucoup et franchement j'étais surpris qu'on ne cite pas aussi cet endroit dans la map. Et ou qu'on n'y aille pas tout simplement. Et évidemment il y a aussi les étages où franchement même s'il y a pas mal de campeurs, l'avantage c'est qu'il y a plein d'entrées, donc le campeur il est un peu niqué dès qu'on se débrouille un petit peu pour le contourner. Donc franchement pour moi cette map n'est pas petite. Franchement oui elle n'est pas énorme mais elle n'est pas petite. Bon après ça il y a plus grand, c'est clair. Et les maps en général sur ce Black Ops 2 ne sont pas énormes. Mais franchement, c'est une map que j'aime vraiment beaucoup. Alors que je suis un joueur qui vient de grandes maps. Je cite donc Battlefield et en gros les Battlefield en général, qui sont quand même les jeux que j'ai le plus joué en multi au niveau des FPS.
Après même dans Crysis Wahead par exemple, les maps étaient énormes aussi. J'ai fait un petit peu de Far Cry 2 en multi, j'ai pas aimé, mais bon ça c'est autre chose, le 2, hein, le 3 j'ai pas joué en multi. Franchement c'est toujours des maps plus grandes, mais c'est très agréable à jouer. Et sinon voilà, moi franchement je trouve que c'est agréable à jouer comme ça aussi. Alors il y a aussi le fait qu'on n'ait pas énormément, bon ça c'est un peu... J'aurais bien aimé d'avoir des serveurs avec un petit peu plus de monde, juste pour pouvoir... ne serait-ce que dans certains modes de jeu, il y a des moments où on aimerait être plus. Alors là, vous allez voir, un beau n'importe quoi. J'ai vraiment couru dans tous les sens, d'ailleurs je sais même pas si c'est moi qui fais la kill-kill, non je pense pas. Enfin bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette petite présentation vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce mode de jeu, vous voyez que je finis premier. Avec un score de 19-15, bon vous me direz c'est pas énorme hein. J'ai pas du tout utilisé le tomahawk étant donné que je ne savais pas quel bouton c'était. En fait apparemment c'est le bouton grenade, donc maintenant je le sais. Tout simplement vous voyez Venox 3ème, on a bien ri, on s'est bien amusé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ou noir si vous n'avez pas aimé, mais a priori vous avez aimé, j'en suis sûr. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires simplement ce que vous pensez du mode, des cartes, de Black Ops 2 en général, et je vous retrouverai bientôt avec de nouvelles vidéos. Salut à tous et à bientôt.